monde. Alors cette année, j'ai de nouveau été à la Made in Asia. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un salon, en l'occurrence cette fois-ci en Belgique, à Bruxelles, sur le manga, le jeu vidéo et tout ce qui vient de près ou de loin d'Asie. Donc tout ce genre de choses, le nom est assez évocateur. Et donc je vous ai ramené quelques images que je vais vous laisser regarder tout de suite, et ensuite on continuera avec un mini haul donc de ce que j'ai ramené de là-bas. Donc je vous laisse tout de suite. Mon chat qui mange le sac! Non! Quelle drôle d'idée de manger du plastique quand même. Soit, il m'a perturbé cette andouille. Oui, donc je vous laisse regarder les images et je vous retrouve juste après pour le petit haul. Alors on est à la Made in Asia 2015 aujourd'hui, on est le dimanche, le deuxième jour. Et donc je vous emmène avec moi et mon petit frère qui est là, c'est le gant bleu. Voilà, on va tout de suite rentrer parce qu'on se gêne les fesses. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemblait. Il y a déjà sur ma chaîne une vidéo de la Made in Asia de l'année passée, si ça vous intéresse d'aller fouiner un petit peu. Et donc je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai ramené de là-bas, parce que chaque fois je succombe à dépenser des sous. Donc pour commencer, j'ai acheté un thé qui est juste trop parfait, c'est celui-ci. Ça vous dit pas grand-chose, mais donc c'est de la marque Oshaya. Apparemment je pense que c'est français. C'est du thé fraise jasmin. C'est juste trop bon. L'odeur passe à travers, c'est juste un délice. J'en ai déjà bu et j'adore. C'est trop bon. J'arrête pas de regarder par là parce que mon chat menace de faire n'importe quoi de tout instant à tout instant. Donc vous risquez peut-être de le voir voler, je sais pas, comme ça, vu qu'il est complètement fou. N'est-ce pas, Voldemort? Ok, on va continuer. C'est bien, faut vivre dangereusement. Donc ensuite, j'ai acheté deux pop parce que j'ai pas pu me retenir. Hein. J'adore les pop. J'en ai plusieurs. Et faudra que je décide à un moment de m'arrêter. Donc le premier, c'est celui-ci. C'est V du film V pour Vendetta. C'est un de mes films de super-héros préférés du monde entier. J'adore ce film. Je pourrais le voir 250 fois sans problème. C'est toujours un vrai plaisir. Donc, Monsieur V. Et le second, c'est un autre personnage que j'adore. Mais alors là, pas du tout le même genre de personnage. C'est Toothless, donc Croque-Mou en français. C'est Voldemort. Oh, au secours. Donc, c'est le dragon dans Dragon. Le dragon de Harold en français, je crois. Hiccup en anglais.
Et j'adore ce dragon. Je trouve qu'il ressemble à mon chat, justement, sauf que le dragon est limite plus sympa que mon chat, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il a migré de là à là. Bientôt, il sera là. Voilà. Il est trop mignon. C'est censé être un collector, après, je ne sais pas trop. J'ai également ramené un nouvel ami. Alors, je suis un peu nulle inculte. Je sais pas comment s'appelle. Je sais plus comment s'appellent ces petits personnages dans le film. Je sais même pas s'ils ont un nom. Mais donc, c'est les petits esprits tout blancs dans Princesse Mononoke. J'arrive plus à me souvenir s'ils ont un nom. J'aurais dû me renseigner, mais je les trouve trop mignons. Et comme c'était la fin du salon, je l'ai eu à 10 euros au lieu de 13 euros. Ce qui est toujours bien, parce que pour un tout petit truc comme ça, 13 euros c'est quand même cher. Même 10 euros c'est cher, mais bon, je le voulais trop, il est trop mignon. Voilà. Ensuite, j'ai ramené deux petits. C'est pas vraiment des porte-clés, c'est des petits trucs pour accrocher. Le premier, c'est une petite théière, comme ça, je trouve que ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Mon chat est occupé à la regarder, genre, je vais la choper. Attention, non, non, Voldemort, non. Le second qui va aussi essayer de choper, je vous jure, je vis trop dangereusement, quoi. Je prends trop de risques pour vous filmer ce haul parce que mon chat est taré. Donc le second, voilà, il le regarde déjà. C'est une petite Hello Kitty comme ça, dans un petit costume de taureau noir et qui met le doigt sur sa bouche. Elle est trop mignonne. Voilà. Alors je me suis rendu compte qu'il n'y a plus d'attache sur les GSM. Voldemort. Il n'y a plus d'attache sur les GSM, sur le mien en tout cas, pour attacher ça. Donc j'imagine que je vais les mettre à mes clés. C'est pas mal non plus. Alors pour continuer, j'ai acheté 4 petits colliers. Et c'est pour finir. J'ai l'impression qu'on dirait que j'ai des cheveux gras alors que je les ai lavés hier. Ouh, trop bizarre. Peut-être parce que je me suis pas coiffée. Comme ça, vous savez tout. Donc j'ai acheté 4 petits colliers qui sont juste ici. Le premier, c'est celui-ci, donc c'est des longs colliers. Et au bout, il y a un petit gâteau avec une petite rose dessus. J'aime trop ce petit collier, ce genre de petit collier avec des petits trucs à manger. Voilà. Le suivant, c'est aussi le même genre, c'est-à-dire que c'est un collier qui donne faim et qui donne envie d'aller dans l'armoire à biscuits. C'est celui-ci. On a un petit macaron, un petit lard marshmallow et un espèce de petit gâteau en forme d'étoile. Bon, le petit nœud, c'est le seul truc qui me donne pas faim dans le collier. Voilà, donc si je le trouve très bien. C'est aussi un long avec une chaîne un peu en doré vieilli comme ça. Voilà. Alors, encore dans les mêmes tons, parce que j'adore ce genre de collier, c'est celui-ci. J'en ai déjà un, donc avec une petite montre comme ça. Donc je vous montre le devant et le dos. Je trouve ça trop mignon. Évidemment, ça s'ouvre. Alors on va voir quelle heure il est. Il est 4 heures, moins presque quart. Voilà, je l'adore. Je l'adore, Voldemort, s'il te plaît, arrête de ruiner ma vie. Espèce de méchant chat. Oh, le voilà, le monstre. Le monstre. Hein, tes passages pendant que je filme la vidéo. J'aurais dû fermer la porte, hein. En plus, peut-être même qu'on entend la machine à laver parce que j'ai oublié de fermer la porte. Tu te rends compte un petit peu comme je suis pas douée et comme je fais n'importe quoi. Hein, Minou, tu te rends compte? Bon. Voilà. Vous avez vu le monstre. Le dernier collier, c'est celui-ci. Alors, c'est peut-être le moins portable, entre guillemets, c'est-à-dire que je sais pas si je peux le mettre pour aller bosser ou quoi. Donc voilà, c'est un collier avec Harley Quinn de Batman. Il y a ici des petites têtes de mort avec des petits brillants dans les yeux. Plusieurs perles sur le collier. Il y a un petit nœud ici au-dessus. Et donc, Mademoiselle Harley Quinn, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est trop mignon à la fermeture ici. Il y a juste une petite clé. C'est trop adorable. Et voilà, donc c'est tout pour mes achats. Je pense avoir été plus raisonnable que l'année passée. C'est bien, je suis fière de moi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si qu'est-ce que vous appréciez dans les colliers, si vous les trouvez jolis ou pas. Et voilà. Je vous dis à très très bientôt. Je vais aller ruiner.
mon chat, c'est-à-dire juste le sortir de la porte, de sortir de la pièce, parce que je peux pas lui faire plus de mal que ça. N'est-ce pas, chat? Voilà, donc il aura bien participé aujourd'hui, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, au revoir.